Shalom, shalom, bien-aimé. J'ai décidé de présenter l'objectif visé par cette chaîne YouTube que le Seigneur nous a permis de créer. Faciliter l'apprentissage de la guitare à tous ceux qui sont des guitaristes, quel que soit leur niveau, débutant comme des gens qui ont un niveau moyen, même avancé, afin de faciliter la rétention des théories par la vue des documents qui vous seront exposés tout à l'heure. Je vais vous expliquer pourquoi je dis cela. Cette chaîne YouTube, ce que nous faisons, c'est tout juste pour vous permettre de vous améliorer. En me basant sur le passage, je lis presque le verset, mais je voudrais dire de Timothée. Je sais que c'est Timothée. Paul a dit à Timothée de ne pas négliger le don qui est en lui, qui lui a été donné par imposition de main, afin qu'il commence des progrès sensibles. Tout homme dans sa vie, quelle que soit sa profession, a besoin de s'améliorer, de connaître du progrès. Et c'est en cela aussi que la formation spirituelle se passe dans les églises. Mais au lieu de la formation musicale dans nos églises, on n'a pas véritablement assez de temps. Les conditions ne sont pas réunies pour le faire. Ça fait que beaucoup, on est obligé de passer par le YouTube. On a besoin de frères et de sœurs qui apprennent beaucoup de choses, beaucoup de notions musicales sur le YouTube, l'apprentissage du clavier, où il y a des frères, bien entendu, qui se disposent à ça. Il y a d'autres personnes aussi qui ne sont pas même de notre milieu, mais qui présentent des notions qui sont très intéressantes. Mais en fait, il faut aller à l'essentiel. Comment retenir les accords? C'est casse-tête. Comment jouer? Comment faire de bon doigté? C'est casse-tête pour les guitaristes. Si nous voulons voir le nombre d'accords qui existent même que guitariste peut utiliser, voici une question encore. Il y en a un nombre indénombrable. Je me suis posé la question. Il y a combien d'accords qui puissent exister en harmonie? Et au vu des documents qui sont devant moi, je me suis rendu compte qu'on ne peut pas les supprimer. Non. Même si on dit 1000, ça ne sera pas possible. Même si on dit 2000, ça ne sera pas possible. Si on dit des millions, c'est trop. Mais connaître exactement le nombre, ce n'est pas facile. Alors, je me suis mis, j'ai demandé au Seigneur de m'inspirer. La meilleure manière d'apprendre moi-même les notions de la guitare. Et après près de 15 ans de réflexion, 15 ans d'épreuve, finalement, ces documents sont à ma disposition. Et cela est devant moi, devant un pupitre, ce que vous voyez. Et ce que j'ai en main, ce classeur-là, contient tout simplement le fruit du travail du Saint-Esprit, abattu pendant des années. Je vais dire quelque chose d'abord. Bon, le slogan, c'est « Je facile par la vue ». Je facile par la vue, comment? Sur la guitare, on ne voit pas des notes. Vous ne verrez jamais do, fa, sol sur la guitare. Rien n'est fait, regardez vous-même ici. On ne fait que voir des repères. Et d'abord, non seulement ça, mais il faut aussi travailler la transposition. Le problème de transposition est aussi un problème. Il y en a tellement. Il y a tellement de réflexions à faire. Ça devait casse-tête. Stop. Le slogan, je facile par la vue. Il est dit, quand un homme ne progresse pas dans ce qu'il fait, il y a une monotonie. Et j'ai même lu dans un des ouvrages de musique, un auteur qui a dit, il n'y a pas de plaisir sans progrès. Je me rappelle très bien que j'ai commencé à prendre la guitare avec bien de fer. Tu as abandonné. Et dit que c'est les mêmes choses toujours que je joue. Do, fa, sol, do. Et puis c'est les mêmes doigtés que je fais. Je ne savais pas comment m'améliorer au niveau des doigtés. Les mêmes accords. Je me sens qu'il y a une monotonie. Beaucoup ont abandonné. Ça, c'est un point. Il n'y a pas de plaisir sans progrès. Ça veut dire quoi?
quel que soit notre niveau, qu'on soit un niveau un débutant, un niveau moyen, même un niveau avancé, une fois que tu ne progresseras pas, tu ne trouveras plus le plaisir de jouer la guitare. Il n'y a pas de plaisir sans progrès. C'est-à-dire un homme qui ne progresse pas dans ce qu'il fait, il y éprouve du dégoût. Il n'y a pas de progrès sans travail. Cela veut dire que quoi? Si moi je suis centre, que je me dis je connais tout et que je ne m'améliore pas, en tout cas, je ne pourrai pas progresser. Alors que le Seigneur aime l'excellence. Et la troisième phrase, il a dit, il n'y a pas de travail sans amour. Si tu n'aimes pas ce que tu fais, tu n'auras pas la force de travailler tous les jours. Alors, l'apprentissage de l'instrument, de son instrument, quel que soit l'instrument, demande un travail quotidien. Un travail quotidien. Et un travail méticuleux, un travail méthodique. Alors, ici, le document que j'ai devant moi, c'est découvrir par la vue ce que je n'ai jamais pensé. Les accords, ce que moi-même je n'ai jamais pensé. Toi-même qui es là, qui m'écoute, tu sais très bien que quand tu joues Do, tu fais la ré majeur, mi mineur, et que tu écoutes d'autres personnes sur Facebook, sur WhatsApp, sur les réseaux sociaux, et qu'ils font des formateurs, ils font des accords auxquels tu n'as jamais pensé. Tu te dis, mais moi je vais apprendre ça, j'aime mieux. Quelquefois même, tu piques, tu prends une idée, tu vas jouer. Mais après ça, comme tu n'as pas compris, tu es bloqué, tu es obligé de repartir, dépendre de ça. Alors que l'essentiel, c'est de comprendre ce que tu joues. Voici un autre slogan qui dit, je ne peux jouer véritablement ce que j'ai compris, ce que je n'ai pas compris. Cela veut dire que quoi? Si je n'ai pas maîtrisé quelque chose, même que je l'ai piqué quelque part, j'ai piqué une phrase quelque part, étant donné que je n'ai pas compris, je ne peux le jouer correctement et je ne peux aller au-delà de ça. Tout à l'heure, vous allez voir ce que je vais faire et puis vous allez comprendre. Donc, l'objectif visé, jouer harmonieusement, c'est-à-dire que les harmonies. Hein, l'harmonie, c'est la science de l'accord et l'enchaînement. Tel accord tend vers quel accord? Voici la question qui est posée. Si je joue un accord, même s'il est complexe, il tend vers quel accord? Tel ré mineur tend vers, a tendance à aller vers quel accord? Ré septième a tendance à aller vers tel accord. L'accord diminué a tendance à aller vers quel accord? Et tout ça, une fois qu'on a maîtrisé, alors on devait maintenant mettre de l'art pour servir l'Éternel, qui est notre Dieu, qui a la connaissance suprême. Même là, en matière d'improvisation, bon, on va improviser, on va faire une solo, on va jouer in, on joue in jusqu'à la fin, on se dit, ben, les gens qui jouent des notes particulières, ça m'intéresse. Et quelquefois, on le fait, mais ça ne marche pas. Ça devait casser une déception. On a besoin de retourner sur YouTube. Pourtant, on n'a pas les moyens. On n'a pas les moyens, puisque quelquefois, les cours sont faits en euros, tout. Et on n'a pas les moyens d'accéder à ces cours-là. Bien aimé, l'occasion t'est présentée. Il n'est pas trop tard d'accéder à cette formation. Savoir composer moins empiriquement. Ce que je sais, j'écoute beaucoup de CD, actuellement, de tout genre, africains, occidentaux, tout et tout. Il y a des arrangeurs même, des grands arrangeurs ivoiriens, partout au Congo, tout et tout. Mais, vous savez, la musique est appelée à évoluer. Il y a même des arrangeurs qui font de très bons arrangements. Et quand je les écoute, je dis, waouh, ceux-là, ils ont une véritable formation. Toi qui es chanteur, tu es appelé à évoluer, peut-être à être arrangeur dans ton groupe, à être chef d'orchestre. Mais comment impulser ces notions, intégrer ces notions dans le culte, c'est sûr tout ça. En tant que guitariste, tu peux impacter. Tu peux même dire, donner des notions d'harmonie au clavériste. Et je vais vous dire que des gens peuvent avoir l'impression de vous dire que je le vois jouer, mais comme il ne donne pas de notion d'harmonie de clavier, moi ça m'intéresse pas. Je vous dis que c'est la même chose.
harmonie clavier, harmonie guitare, c'est les mêmes notions. Quand j'écoute, je vais sur le net, le YouTube, et j'écoute des gens qui font des cours d'harmonie, tout et tout. Clavier, quand je regarde les notes qu'ils écrivent, moi je comprends facilement parce que j'ai eu à étudier par l'observation. Ok. Ce n'est pas mauvais de jouer en boucle. Comme un chanteur vient, il y a des 2-5-1, non, on fait les mêmes choses là, comme tout le monde le constate. Do, fa, do, son. Et puis il vient, il chante dessus. La plupart du temps, c'est d'ailleurs des progressions là qui passent. Qui passent dans la plupart des CD. De sorte qu'on a l'impression que les gens sont fatigués d'écouter ça, personnellement. Quand les gens écoutent, c'est comme s'ils ont sommeil. Seulement, ce qui est intéressant, ce n'est pas mauvais de prendre ces progressions. Mais dès l'instant où ces progressions sont répétées pendant, imaginez, c'est répété, des gens vont au studio, ils jouent sur ces progressions, ils chantent sur ces progressions. Tout le monde passe, c'est les mêmes choses là. Na 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 na. Mais même si la personne joue comme ça, mais comment est-ce qu'il faut accompagner pour donner un peu de piment, des choses intéressantes pour que le chanteur soit plus inspiré? Ça aussi, c'est notre travail. Maintenant, celui qui chante, lui malheureusement n'a pas étudié l'harmonie. Il n'a pas étudié l'harmonie en profondeur. Lui il ne fait que chanter parce qu'il y a une mélodie qui passe. Mais alors que celui-là qui a appris l'harmonie et qui sait qui avance, il peut composer de certaines manières. J'ai écouté des cantiques de chorale des Ghanéens qui sont partis des classiques habituels. Mais quand ils composent, c'est comme si c'est Mozart dans le style de Mozart, mais adapté au high life. Et ils le font. Il y a un cantique dans la tête qui a été chanté chez moi à l'église. Mala, j'entends mala, mala, non, 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 non. Mais ça m'a marqué parce que celui qui a fait cela, il a fait des études approfondies à la route. Bien-aimé, n'accepte pas la médiocrité. Bien-aimé, n'accepte jamais la médiocrité. La médiocrité tombe, qu'on nous conduit à la monotonie. Et la monotonie nous conduit à l'indifférence totale, de sorte que quand on se dit qu'on va répéter, on se retrouve sur samedi, on a les mêmes cantiques, on joue, on les chante, on retourne à la maison vide, parce qu'il n'y a rien de nouveau. L'Éternel a dit, chantez à moi des cantiques nouveaux. Pour chanter des cantiques nouveaux, il faut innover. Il faut innover. Je vais vous donner un exemple de progression. Je n'ai plus trop besoin de réfléchir. Je considère que on doit innover. Des progressions qu'on n'a pas l'habitude d'écouter. J'ai un diagramme devant moi. J'ai travaillé sur les deux formes de gamme diminuée. Il y a certains auteurs qui parlent de gamme diminuée 1, dont la structure c'est 1, 2, 3 bémol, 4, quinte bémol, sixte bémol, sixte, septième majeur. Gamme diminuée 2, dont la structure est ou gamme semi-diminuée, c'est dans ces deux auteurs, qui est 1, T, 2, B, 2 bémol, seconde bémol, tierce bémol, tierce, 4 augmentée, quinte, la sixte, et puis la septième. Voici les deux formes de gamme diminuée, qui nous conduisent à un univers vaste d'accompagnement auquel je n'ai jamais pensé. Et je vais le faire, vous allez voir qu'on ne sentira pas de faute comme ça. Je me mets dans un contexte, je suis dans la tonalité de mi. Je suis là. Je regarde, hein. Comme ça. Vous voyez? L'harmonie est tellement parfaite. Je reprends encore, je peux faire autant que je veux, hein, une autre fois encore là-bas. Ok, je reprends encore.
je fais la tonique, la fervent. Je reprends encore et je suis ici. Je reprends cette bande comme ça. Rien que la diminuer. Je peux innover en faisant comme ça, quelque chose comme ça. Je fais autre chose comme ça.